L'inaudible.com. Précédemment, dans Comment devenir maître du monde. Et maintenant, sortez vos tablettes, je vais vous raconter la légende fondatrice. Ah, oui, qu'est-ce que c'est ? Ainsi, c'était un temps où l'ancien monde était aux mains d'une poignée d'esprits bornés et limités qui se faisaient appeler les maîtres du monde. Cher ami, quel plaisir de vous voir ici. Comment vont les affaires? Vous le connaissez bien, vous? Qui ça? Dupont de l'Alma? Pas particulièrement. On dit qu'il est à la tête d'une des plus grosses fortunes du monde. Oui, ça c'est sûr. La Global Corporation, c'est une mine d'or. La plus grosse multinationale de la planète, hein. Des filiales dans toutes les capitales, des antennes dans les officines les plus secrètes, des contacts dans tous les gouvernants. Non, la Global, c'est un empire. Aristide Cabillo se cache dans une villa discrète d'une bourgade toute proche de la frontière népalo-suédoise, à Kottenburgenham, en autarcie. Mais encore. C'est tout. Bienvenue à Gottenburgenham, colonel. Notre modeste hostellerie est à votre entière et intégrale disposition, cela va sans dire. Merci, mon ami. Aurez-vous la bonté de me faire conduire à ma chambrette? Je pioncerai volontiers 5 minutes. Attendez, je délourde avec mon passe. Nom de... Qu'est-ce que c'est que Big Mac? C'est qu'il m'a l'air d'être mort. Colonel, bien le bonjour. Avez-vous dormi aussi bien que vous le souhaitiez? Plutôt bien, en effet, Bourg-en-Bresse. Savez-vous comment on va au Gottenburg... Le Gottenburgenham Gasthof? Mais parfaitement, colonel. C'est la table la plus réputée d'autarcie. Après la nôtre, bien évidemment. Évidemment. Et c'est loin d'ici? Eh bien, ça dépend par où l'on passe. À vol d'oiseau, il y en aurait pour 10 minutes, tout au plus. Et encore, tout dépend de l'oiseau. Comptez 15 minutes en tourterelle, mais en canard, par exemple, je dirais... D'accord. Et en limousine? Oh, avec un véhicule aussi racé et aussi dévoué que le vôtre, colonel, je ne vous donne pas plus de 2 heures et quart pour vous y rendre. Ah oui, quand même. Prendrez-vous un petit déjeuner avant la route, colonel? Non, merci. Si je veux être à l'heure, à mon rendez-vous, je dois partir tout de suite. Ah, alors un encas, peut-être? Un encas de malheur? Non, de bonheur, plutôt, puisque vous êtes pressé. Merci, Bourg-en-Bresse, c'est aimable de votre part. Mais Rex va s'impatienter si je m'attarde. Voilà, Rex, me voilà. J'arrive. Tu as fait le plein? Alors, en route. L'inaudible présente Comment devenir maître du monde en 10 leçons. Ou pas. Une série webophonique de Walter Proof. Avec Exo, Joséphine Baker, Mademoiselle Bobby, Abby Le Fanu, Laurent Doucet, Mad Dog et Walter Proof. Livre 1, Les Prophètes. Leçon 4, les témoins, tu élimineras. Car en ces temps reculés d'avant la civilisation transhumaine, les êtres qui peuplaient la planète originelle, hein, vous vous souvenez, PO, ne connaissaient pas les techniques de sustentation que tous nous pratiquons aujourd'hui, hein, à base d'injections protéiniques et de pilules récréatives courantes dans tous nos espaces alimentaires. Ils étaient obligés, les malheureux, de recourir à ce sport primitif et archaïque qu'ils nommaient la bouffe. La moufle? Il a dit la boucle, je crois, mais il me semble, hein, ou soit j'ai entendu la blouse. La bouffe était un rituel important pour les humanoïdes natifs, y compris les prophètes. Un rite qu'ils pratiquaient au sein de leur foyer, ou plus cérémonieusement, dans des temples consacrés au culte à heure fixe, 2 à 3 fois par jour.
Allons bon. Voilà une bien curieuse gargote. Marc, Viguette, por favor. Quando se come aquí? Absolutely, yavol, señor. I have appuntamento. Ici. Yeah, yeah, sure you have. And a mesa for several people? I don't know. Maybe 5, maybe 52, on va savoir. Si, señor, si. I give you my best t-shirt. Yes, but un peu plus loin de l'orchestre, please. Absolutamente. This way. Merci. Bit, this is a Diabolo Mirti for the welcome. Con olive noir on roll mops confit. Ver gustoso. Thank. Curieuse tradition, ma foi. Psst. Psst. Les roll mops confit. Eh bien. Ne touchez pas, ils sont empoisonnés. Ah, bigre. Vous n'avez pas que des amis ici, colonel. À qui le dites-vous, monsieur? Monsieur? Nodorum, modorum. Je ne suis qu'un modeste palindrome. Ah. Vérifiez, vous verrez. Je vous en prie, je vous attendais. Vous avez, je crois, des informations. J'en ai. There we go, Lebensmittel par colonel. Merguez aux lentilles aigres douces. Danke schön. Prego, und for your guest? Une saucisse viennoise. Avec une tarte aux noix. Natürlich, ahora, sir. Et les lentilles, à votre avis? Inoffensive. Vous pouvez y aller. Vous m'excuserez, je commence avant vous. J'ai un petit creux. Vous disiez donc, vous aviez des informations. Un bon paquet, même. On m'intéresse. Je n'en doute pas. Et par là, el gentiluomo avec une sausage? With kartoffeln und tartonouille. Grazie. Und comme dice il proverbio, enjoy your meal. Cette saucisse viennoise semble fort appétissante avec sa chantilly. Je n'y toucherai pas. Empoisonnée, elle aussi. Sans aucun doute. Alors, un cigare? Non merci. Le coup du cigare, je connais. Comme vous voudrez. Des informations, donc. De première bourre. Concernant? Tout ce que vous voudrez. C'est la maison qui régale. Y compris? Y compris. Banco. Je vous écoute. Bon, je ne m'appelle pas Banco, mais Swat. D'accord, Swat. Je vous écoute. Eh bien, voilà. Attention! Elle n'est pas passée loin, celle-là. Le restaurateur qui s'amuse à dégommer la clientèle à coups de fléchette. Il a tué Norodom Modoron pour l'empêcher de me parler. On dirait qu'il veut en faire autant avec moi pour m'empêcher de l'écouter. Bon, il est temps d'agir. Heureusement que je ne sors jamais sans une grenade extra plate dans la poche intérieure de mon costume en alpaga mercerisé. Tiens! Prends ça, canaille! Hop! Bon. Une bonne chose de faite. Faut être tenace vous alimenter. Allons constater les dégâts. Ouais. Reste pas grand chose. Mais ces petites plumes qu'il portait sur son chapeau pour donner l'échange sont sans conteste des plumes indiennes. Apache, Sioux. Si ça se trouve, cet homme était le dernier des Mohicans. Auquel cas, la race est définitivement éteinte. On dirait que la cavalerie se pointe. Bon, il est temps de s'éclipser. Et de préférence, par l'escalier de service. Et voilà. En route, Rex. On rentre à la maison. Prochainement, dans Comment devenir maître du monde. Ah, saleté de cochonnerie de nom de moi! C'est quoi cette liaison pourrie? C'est là?
Oui, c'est la maison que tu vois, là. Tu penses qu'on peut arriver jusque-là sans se faire repérer? En même temps, c'est pour ça qu'on est venu de nuit. Parce qu'il fait moins jour. C'est pas con. Guimard. Ouais, venez un peu par ici. J'arrive. Guimard, la progression va devenir délicate. Passez devant. Parce que tu crois que c'est pratique, toi, de se transmettre une légende oralement? Ah bah oui, tiens, je voudrais t'y voir. Au bout de quelques milliers d'années, elle ressemble plus à rien, ta légende. C'était « Comment devenir maître du monde en 10 leçons ?» Ou pas. Une série webophonique de Walter Proof, très librement adaptée de Cri de joie dans la masure. Écrit et réalisé par Walter Proof sur une musique de Phaéton Bourg. Avec Bourg-en-Bresse, Exo, Le Colonel, Joséphine Baker, Vieux Crabe, Walter Proof, Chacha, Mademoiselle Bobby, Bibi, Abby Le Fanou, L'Aubergiste, Laurent Doucet, Rodin Modoron, Mad Dog. À suivre.